dit de renom que l'autorité pénitentiaire a été évacuée. Nous songeons au problème qui était dans le centre pénitentiaire Gonaïves, côté où tu es obligé et aller avec plus de 250 prisonniers qui étaient quittés Gonaïves qui allaient dans Hinche. Et il y a plus d'une vingtaine que l'autorité pénitentiaire a été sortie avec eux dans le pénitencier national que tu es monté Hinche avec eux. Et parmi eux, il y a des bandits de renom dans eux. Et c'est dans la cellule 12, j'en dis non, côté monsieur Saota, côté agent de l'ordre, tu as pas joué une résistance et monsieur a refusé à fouiller ça. Et la police, quand même, t'es arrivé rentrer. Malheureusement, bandit ça yo, yo t'es arrivé prendre en otage inspecteur de police ça avec un agent de police. Et depuis hier, situation ça, donc nous t'es connaît. Immédiatement que la police départementale t'est informée de situation ça, unité spécialisée qui est dans le département t'es prend situation en main. Yo t'es arrivé, yo t'es contrôlé périmètre externe pour t'empêcher invasion ça t'es arrivé faite. Et puisque il y a une prise d'otage, alors notion qui est élémentaire pour négocier situation de prise d'otage, c'est la communication. Immédiatement, ils étaient rentrés en pourparler avec détenus qui eux-mêmes cap revendiquer les conditions de détention. Yo. Donc, autorité judiciaire, yo, le parquet et la justice de paix, tout le monde était mis ensemble en attendant que Bacop te sorti dans l'Ouest pour te arriver, pour te gérer situation ça. Et heureusement, situation est arrivée gérée. Moun ki te pran an otaj yo, la polis rive libere yo, e kondisyon de detansyon yo, otorite yo, yap travay sou li pou yo ameliorel, e metnan gen des anket aprofondi kap menen pou konen koman an moun ki nan selul arrive gen zam a fe an posesyon. La police nationale rend hommage à ses agents. Le porte-parole de l'institution salue le travail réalisé par son effectif, particulièrement pendant les troubles politiques. Entre septembre et novembre, les policiers ont effectué plus de 1000 interventions. Rien que pour la semaine écoulée, les 14 juridictions de l'Ouest ont réalisé plus d'une cinquantaine d'arrestations. 14 armes à feu ont été saisies et 22 véhicules confisqués. Plus de détails avec le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, porte-parole de la police nationale. Dans la période sortie 9 au 15 décembre, il y a 14 juridictions dans le département de l'Ouest qui travaillent. 361 motocyclettes sont arrivées et confisquées par le département de l'Ouest, par les 14 juridictions du département de l'Ouest, contrairement à 334 sorties dans la période 2 au 8 décembre. Alors que 22 voitures qui étaient en situation irrégulière, que la police était obligée de confisquer, 9 au 15 décembre, 22, alors que pour période du 2 au 8 décembre, ils étaient saisis seulement 7. Et 54 personnes étaient interpellées, alors que 28, dans la première semaine, au total, 60 personnes étaient interpellées, soit 54 garçons et 6 femmes étaient interpellées par direction département l'Ouest. Et nous rappelons comment bandits ça y ont échangé des tirs avec la police. L'historien Michel Soukart met en garde le président Jovenel Moïse contre tout triomphalisme et toute tentation autoritaire. Bien qu'il ait vaincu l'opposition, le chef de l'État ne contrôle toujours pas le pays, estime-t-il. Par ailleurs, il déplore le fait qu'en 2019, les Haïtiens soient toujours incapables de s'unir pour négocier sans l'intervention de la communauté internationale. Suivez quelques éléments de l'analyse de l'historien Michel Soukart, invité ce jeudi à la rubrique Le Point. Gagnons tentation. Qu'on appelle la tentation de l'autoritarisme, le retour de l'arrogance, nous avons souhaité que nous ne tombions pas dans ça. Parce que si nous tombions dans ça retourner nous à la situation qui était avant. Et nous avons souhaité tout que les Haïtiens capables de chiter ensemble, c'est qu'ils n'ont pas besoin que ces ambassadeurs américains ne représentent les Nations Unies comme des timouns que ces tuteurs ont commis au chita. Que vous prenez décision, que vous capable de chiter ensemble, puis vous posez problème pays. Yo. De toute manière, le ducto avec Henry Kissinger pendant la guerre du Vietnam, t'es chita pour négocier pendant que la guerre a fait. Bah, ça que t'as gagné la poids, c'est pas qu'à chita, que pendant que nous pas, pendant que nous avons une contre l'autre.
Donc, faut de sortir de l'infantilisme politique, faut de suspendre des chefs de bande pour devenir des hommes politiques et pour devenir des hommes d'État. Si on n'a pas que le pays a manqué depuis la disparition de cette génération d'hommes de Bellegarde, de Presse-Mars, nous avons une absence d'hommes d'État. Tant au pouvoir que dans l'opposition, nous avons eu surtout un défilé de chefs de bande, de chefs de gang, de politicards, des gens sans dimension, sans culture, pour la plupart. Le guet de Baye qui minait le pays, ça, Wendell, pendant ces derniers temps, c'est la pratique populiste et la pratique coloriste, l'utilisation de la démagogie et l'utilisation de la question de couleur. Les incapables de tous les pays utilisent toujours ces histoires-là pour se faire un nom, pour accéder à la présidence et pour exercer une présidence que le pays n'a pas rien à donner. Tout autant nous pas sorti de deux bagages, ça. La démagogie populiste avec l'utilisation de la question de couleur, Haïti n'a pas volé aucun côté. Parce que nous n'avons pas produit ça, aucune pensée sérieuse pour nous capables de défendre l'intérêt national. Vous commencez à sentir une espèce de triomphalisme grâce à cette apparence de victoire, grâce à l'échec de l'opposition qui mène une mauvaise politique. Vous comprenez? Faut éviter ça, faire de battre l'estomac, comprendre que nous gagnons, boy, c'est bon, l'autre boy, et puis qu'on y a là, avec l'effacement de certaines institutions parlementaires pour ne pas tomber. Parce que toujours il y a tentation ça, pour quel que soit un gouvernement qui n'est pas dirigé par décret, de croire que le café, ça le vlit. Et vous sentez crainte ça dans la rue. Donc, on a là pour payer, pour tomber non soit de pouvoir autorité ou bien dictatorial. Je ne vais pas appeler tout le monde. Combien que l'histoire a prouvé. Pour faire une dictature, il faut avoir trois conditions, mon copain. Si vous avez trois conditions, ça, vous devez mettre ça au volet, vous ne pouvez pas faire une dictature. Un, il faut avoir une idéologie. C'est-à-dire, il faut avoir une idée qui convainc une portion de monde dans la société. Deuxièmement, il faut avoir un cob. Si vous avez un cob, vous ne pouvez pas faire une dictature. Et troisièmement, il faut contrôler le territoire. Bon, au territoire, côté Mbaka Chita, à l'aise, m'dit Mbraluka, Mbralukap, Mbral Inch, Mbral Jacques Mel, sans qu'il n'y ait pas arrivé. Égalé qui ne peut pas contrôler le territoire, pas de légitimité. Donc, si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'idéologie, vous n'avez pas contrôler le territoire, vous n'avez pas quand même rêvé de pouvoir autorité. Vous n'avez pas faire une dictature. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, indexe deux membres du gouvernement dans son rapport d'enquête publié mardi dernier sur le massacre du Bel Air. Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, Pierre-Josué Agénor-Cadet, et le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Léon Ronsard Saint-Cyr, sont pointés du doigt dans ce document. Selon le RNDDH, l'ex-policier Jimmy Chérizier, alias Barbecue, et des membres du gang de Craché Diffé, dirigé par Wilson Pierre dit Tissonson, auraient reçu de l'argent pour intervenir au Bel Air en octobre dernier. Aider des jeunes femmes entrepreneurs à passer en mode numérique et mieux vendre l'image de leur société sur le web, c'est le but d'un atelier organisé par KPMS Entreprises. Une trentaine de jeunes haïtiennes vont apprendre les codes et les principes du marketing digital. Cette formation intervient dans un contexte où le commerce sur Internet ouvre de nouvelles possibilités économiques. Et nous-mêmes dans KPMS Entreprises, nous et offrir des services d'accompagnement en renforcement des capacités des entrepreneurs, des gens qui font business. Donc pendant l'année 2019, là, nous avons accompagné une quantité de personnes qui intéressées à faire business ou bien qui ont évolué dans la question de faire business. Parmi eux, nous avons gagné environ 140 femmes. Donc c'est dans l'échantillon 140 femmes ça que nous gagnons une quantité là-dedans. Qui gagne business déjà et que nous trouvons que faire une formation pour eux, faire une activité de sensibilisation et de motivation pour eux dans le domaine nouvelle technologie, est capable d'offrir des avantages, des opportunités sur la question entrepreneuriat. Donc c'est dans ce sens ça que nous faisons. Donc en pile là-dedans, c'est des entreprises qui formelles, ça veut dire qui légalement constituées, soit en entreprise individuelle ou bien en société en nom collectif. Et il y a l'autre qui peut être formelle, mais accompagnement que nous baillons, aider au connaître qui démarche pour faire, qui côté pour y aller chercher, qui côté pour y aller déposer dossier, que ce soit dans le ministère commerce ou bien dans le DGI pour être capable de formaliser l'entreprise. Parce que les entreprises formelles, ils sont capables d'avoir accès à beaucoup plus d'opportunités pour faire affaire avec des institutions, avec des organismes, que ce soit nationaux et internationaux.
Le groupe des 17 partis politiques alliés du président Jovenel Moïse, G17 PPA, rend public une nouvelle proposition de sortie de crise. En conférence de presse ce jeudi, les représentants de cette structure ont demandé au chef de l'État d'effectuer la synthèse des différentes propositions déjà faites, quelle que soit leur provenance. Le G17 PPA prône également une réforme constitutionnelle qui prévoirait une réduction des pouvoirs du Parlement. Suivez tour à tour le vice-président du G17 PPA, Joseph Mercilus, et le porte-parole de l'organisation, Jefté Mardi. Journée aujourd'hui à nous-mêmes, la proposition de sortie de crise, là. Nous voulons un dialogue qui porte une solution pour 30 ans à 40 ans. Pendant le dialogue, ça fait faut tout secteur dans la vie nationale, dont les dirigeants des partis politiques, nous chita ensemble, nous dit mais tout ça qui est créé, problème qui fait que nous pas de cas avancer, journée aujourd'hui, nous apportons une solution avec vous pour 30 ans à 40 ans. Nous proposer pour président Jovenel Moïse, qui chef l'État, qui est au-dessus de toute institution, pour lui initier dialogue là. Initier dialogue là, dans l'initiation, pour lui former une commission dans le dialogue ça. Commission ça a bien pour toujours dialoguer, parce que le dialogue là n'est pas fait seulement pour un gouvernement, il faut qu'il toujours a fait, il faut que son dialogue soutenu qui pour toujours a analysé sous grand problème pays. Pour le prendre proposition tout secteur, qu'il était religieux, et politique, société civile, etc. Pour rencontrer chaque monde ça yo à part. Et puis pour mettre au chita sur une table pour nous capable sortir avec un gouvernement national. C'est pas un gouvernement un petit groupe a dit c'est avec vous en fait, non? Non, un gouvernement national qui reflète tout le monde. Et tout ça doit sortir, il doit sortir dans le dialogue ça. Et gouvernement ça, Wally, c'est pral pour intervenir rapidement sous grande priorité yo. Pour réformer ou bien continuer réforme qui est dans l'administration pour capable combattre corruption, trafic d'influence. Pour lui réorganiser service l'État yo. Parce que c'est en bas misère pour moun fon carte électorale, pour fon passeport. Pour lui rétablir l'autorité de l'État, pour nous suspendre avec question gang ça, pour développer, pour restructurer microcrédit, pour bailler accès à crédit, pour toucher production nationale là. Des travaux prioritaires s'effectuent dans le système d'adduction d'eau potable de la DINEPA. Depuis le 13 décembre, le groupe Incatema Soeco a démarré les travaux d'installation des pompes de forage au niveau de la Croix des Bouquets et de Pernier afin d'alimenter le réservoir de Vivi Michel. Suivez les précisions du directeur général de la DINEPA, Guito Edouard. Rivé dans un réservoir de transition avant que la réservoir Vivi Michel qui est en construction. Mais bien avant que le réservoir Vivi Michel a fini, on a bien capacité pour nous faire test au niveau de réseau, partie de réseau qui est dans Route Frère, Vivi Michel, Wissema, comme si des zones ça seulement, qui permettre que les zones ça pas trop bénéficier. Et zones qui étaient douées alimenter, yo t'a pas alimenté avec un grand rationnement, bénéficier de bien ça, de bien commun ça, de richesse ça. Mais l'aide doit arriver, sorti dans 8 forages à côté que là nous Pernier, il y a 2 forages. Ou après que les techniciens ont fait test avec nous, on a vu qui quantité de l'eau qui a sorti dans station, en fait dans forage là. On a parlé de 200 jusqu'à 230 mètres cubes d'eau par heure. Ça veut dire que si on prend quantité de l'eau ça au niveau de 8 forages
pour nous alimenter toute zone qui pas pour alimenter. N'a parlé dans une plage d'horaire qui capable varier entre 12 et 18 heures de temps par jour, n'a bien une production additionnelle tout au moins dans zone noire, localité noire en dans quoi débouquer avec peignier de 34 000 mètres cubes d'eau par jour qui va augmenter à 130, peut-être un petit peu plus, ça va dépendre de saison 1, à ça qui est 130 000 mètres cubes qui existait déjà, et au niveau de Mariani, site Mariani, donc nous va passer d'une production de 8 000 mètres cubes à 24 000 mètres cubes d'eau par jour, parce que son souci. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.